Fidèle internaute de Guérite TV Monde, bonjour. Avant-dernier jour du mois de février 2023, nous sommes lundi 27 février et Matin Libre affiche en manchette nomination d'un Rwandais à la tête de l'ANIP. La faute ou désert de compétences. La nomination du Rwandais Pascal Nyamulenda à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP fait enfler la polémique depuis mercredi 22 février 2023. Des Béninois se sont demandé s'il n'y avait aucun compatriote au profil adéquat pour occuper ce poste. La réponse a été donnée hier, dimanche 26 février 2023, par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Mbeki. S'il y avait eu un CV digne du nom sur la table du chef de l'État, je vous assure que ça n'aurait pas été fait, a réagi Wilfried Léandre Mbeki à la question de savoir pourquoi Patrice Talon a opté pour l'ancien maire de Kigali pour prendre la direction de l'ANIP. Des explications de l'invité de la télévision nationale, on comprend donc que des nationaux ont postulé au poste. Mais parmi eux, aucun n'avait le profil du Rwandais. Grande campagne de collecte de poches de sang. Wadaï célèbre la GIF en sauvant des vies. C'est à travers la campagne Célébrons la femme tout en aidant à sauver des vies que le ministère de l'économie et des finances, par le truchement de l'amicale des femmes du ministère de l'économie et des finances, entend célébrer l'édition 2023 de la journée internationale de la femme dans les structures sous tutelle. L'événement qui durera du 6 au 10 mars prochain commence simultanément par la Loterie nationale du Bénin et la Poste du Bénin qui abrite l'événement le 6 mars prochain. Le public est donc cordialement invité à faire don de ce liquide précieux pour sauver des vies de 8h30 à 14h. Société béninoise de brasserie, la boisson racine dévoilée. La Société béninoise de brasserie Sobebra a dévoilé à la population son nouveau bébé. Il s'agit de la boisson racine. C'était à travers une cérémonie de lancement riche en couleurs qui a eu lieu samedi 25 février 2023 au Jardin des plantes de la nature à Porte-Novo. Ceci en présence des têtes couronnées et chefs religieux, la population de Porte-Novo et les distributeurs agréés de la Sobebra. Un tour au desk sport à présent. 8e édition du championnat international de MMA, le BFC pour l'essor des sports de combat. L'esplanade de Canal Olympia à Cotonou a abrité samedi 25 février 2023 la 8e édition du championnat international de Mixed Martial Art. Cette initiative de l'association Benin Fighting Championship, dirigée par Wanilo Medegan, a reçu le soutien inconditionnel de Canal Plus Bénin engagé pour le développement des sports. 6 pays y ont pris part. Toujours au desk sport, Porto Tennis Open, les vainqueurs de la 3e édition primés. Démarré le mardi 21 février 2023, le tournoi international de tennis Porto Novo Tennis Open a connu son épilogue le samedi 25 février 2023. C'était en présence du président de la Fédération béninoise de tennis, Jean-Claude Talon, avec son équipe. Avec le sponsoring de l'UNFPA, l'organisation de cette 3e édition a réuni 6 nations autour du tennis au Stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. L'ONG Play Your Game, l'organisatrice, a réédité l'exploit. Pour finir, à présent, pour son programme de formation thématique, appel à manifestation d'intérêt d'Enabel. L'appel est à lire à la page 10 de votre quotidien. Fidèle internaute de Guérite TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du lundi 27 février 2023 vous est ainsi livré. À demain.